30 hivers sans pluie, 30 étés sans blé. Les plaines du Fars étaient devenues aussi arides que le sel du désert de Lout. À quelques tirs de flèches de Persépolis, les Kushans, guerriers sanguinaires venus de l'Orient, attaquaient la Perse affaiblie. Les soldats perses défendaient leurs terres, quel qu'en soit le prix. Ardashir résistait héroïquement, mais ses hommes étaient tombés un à un. Anaïta jetait ses dernières forces dans la bataille. Evishka, le général Kushan, savait que la victoire était assurée. Pourtant, l'histoire allait suivre un autre chemin. Les sept immortels étaient les meilleurs guerriers du royaume. L'un d'entre eux allait devenir une légende. Immortel en avant! Anaïta! Ne t'en fais pas pour moi, ça va aller. Sauf Persépolis, je t'ai formé pour ça. Je vais aider mes guerrières blessées. Allons-y, Sargon. Attention, c'est du Rashabar. Aucun d'entre vous ne sortira vivant d'ici. On s'amuse dans ton coin. Menolias a libéré le passage. Suis-moi, Sargon. Ah, plus de flèches. Allez, cours, Sargon. On doit éliminer ces archers, Kushan. C'est pour moi. Je te laisse passer devant pour que tu rattrapes ton retard. Ah !
Les immortels! Ne les laissez pas s'approcher du général Mishka! Attention, Sargon! Le général ne doit plus être loin. Je m'occupe de lui. Tiens, tu pourras en avoir besoin. Vishka, tu peux plus te cacher. Chabar, c'est ça? Ta vie s'arrête ici. À moins que ce soit la tienne. Le Simorg, notre puissant protecteur, a quitté le ciel de Perse. Mais nos ennemis qui pensent pouvoir en tirer profit doivent savoir que les plus courageux guerriers du royaume sauront leur faire face. Il y a 30 ans, l'oiseau divin Simorg s'est posé sur mon épaule. Ainsi, il m'a désigné pour guider notre peuple. Aujourd'hui, moi, Tomyris, reine de Perse, je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté. Varam, toi et tes guerriers avez une fois encore sauvé le royaume. Hassan, le prince de Perse! Avance, jeune Sargon. Tes exploits résonnent le long des murs de Persépolis.
reçois cette étoffe royale en témoignage de notre reconnaissance. Sargon, le Rachabar, le vent noir qui détruit tout sur son passage. Je n'ai pas choisi ce nom. Sois sans crainte. Je n'accorde aucune importance à ces superstitions. Les vents transportent aussi les graines des moissons futures. Je suis vraiment content de te rencontrer, Sargon. Merci, Prince Hassan. Oublions tous ces titres. J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans un contexte moins protocolaire. C'est entendu, Hassan. À la dynastie Tomyrite. Nous te devons cette victoire, Rachabar. Méfie-toi. On dit que le Rachabar sème la ruine et la destruction. Je ne crois pas à ces histoires. J'ai vu de mes propres yeux ce que tu valais au combat. C'est tout ce qui compte pour moi. Ton nom inspire l'espoir chez les Perses et la peur chez l'ennemi. Peut-être. Tu sais, je n'ai pas demandé à être prince non plus. Mais je dois accepter mon destin. Varam, à part nous, les immortels se sont éclipsés. Ils sont sûrement déjà sur les toits pour fêter ça. Le faste du palais, c'est pas vraiment leur élément. Vas-y, Sargon. Je vous rejoins dès que je peux. Longue vie à la dynastie. Tu t'es bien battu, Sargon. J'ai terrassé Uvishka. Persépolis est sauvée. Vraiment? Des milliers de morts sur le champ de bataille. Nous n'avons plus aucune ressource. La Perse survit à peine. Et les Kushans reviendront, c'est sûr. Tu appelles ça une victoire? J'ai laissé parler mon orgueil. Le chemin du guerrier ne s'arrête jamais. Et quand il n'y a plus personne en travers de sa route, alors il se demande... Qu'est-ce qu'il y a au bout de ma lame? Oui, je sais. Tu as trouvé la réponse? Je pense pas y réfléchir ce soir. Ou alors peut-être autour d'un verre? Viens avec nous. Merci. J'ai autre chose de prévu. Tu as tout pour devenir l'un des plus grands guerriers, Sargon. Je sais. Et tu le verras. Et écoute, Varam. Il t'aidera à rester sur le bon chemin. Je te jure, si ça se trouve, le prince Hassan, c'est mon fils. Arrête, Orod. Il te ressemble pas du tout. Il tient de sa mère, c'est tout. Orod, t'es pas son genre. Pas le genre de qui? Ah, le gamin a finalement décidé de nous rejoindre. Le héros du jour. Le nouveau protégé de la reine. Alors, tu fréquentes l'aristocratie maintenant? Cherche à troquer tes épées pour devenir un satrape? Allez-y, lâchez-vous. Mais rappelez-moi, qui a éliminé un général ennemi ce soir déjà? Va pas dans leur sens, Sargon. C'est leur manière de dire qu'ils sont impressionnés. Ah, il a raison. Tu as été incroyable. Si tu veux être plus tranquille pour parler, je suis juste là-bas. Varam était avec toi? Oui, il est encore dans la salle du trône. Probablement pour récupérer notre solde. Quel solde? Artaban se fait payer uniquement en vieux parchemin.
Je t'entends, Ménolias. Alors, tu te rappelles encore de nous maintenant que t'es célèbre? Oui, bien sûr. J'essaye surtout de comprendre ce qu'il y a au bout de ma lame. Ah, je vois. On dirait qu'Anaïta t'a remis les idées en place. À sa manière. Ouais. Tu sais, c'est incroyable ce que t'as fait. Tu peux être fier de toi. On l'est tous. C'est un des nôtres qui a éliminé le général Kushan. Bravo. T'es aussi la fierté du lion blanc, on dirait. Bande d'immortels. Vous avez toujours été fait pour la grandeur et la gloire. Et avec le dernier haut fait de Sargon, on va encore remplir les livres d'histoire. On a sauvé la ville. Le peuple a retrouvé la paix. Ah oui, la paix, tout ça, parfait. Mais du coup, quand est-ce qu'on va fêter ça? Ah, je veux dire, là où on sert le manger et le boire. Varam, tu viens avec nous? Je ne rate jamais ça. Varam! Le prince Hassan s'est fait enlever! Des ravisseurs? Ils sont sûrement encore dans le palais. Vas-y, Sargon. Tu es l'un des derniers à avoir parlé au prince. Il faut retrouver le prince Hassan! Les gardes d'Anaïta? Anaïta! Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas prévu de te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Écarte-toi! C'est quoi ça? Ah, toujours un enfant. C'était pas juste pour le style.
Anahita, qu'est-ce qui se passe? Sargon, c'était qui? J'ai cru apercevoir Anahita. Est-elle impliquée? Oui, c'est bien elle. Aucun doute. Varam, rassemblez vos guerriers. Partez immédiatement au Mont Kaf pour retrouver le prince Hassan. Ardashir et ses soldats sont déjà sur ses traces. Ils auront besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur nous, Majesté. Ramenez-le. Ramenez-moi mon fils.